Bonjour à toutes et à tous, ici Wolfari, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dark Souls 2, bien évidemment, et bonjour... Oh mon dieu, cette gueule... Oh, je veux ce casque. Non, plus sérieusement, je sais pas. Mais oui, alors, je vous préviens que c'est... Enfin, je vous rappelle, tout simplement. Je vous préviens pas, je vous rappelle que je filme ceci de mon côté. Donc, vos remarques et conseils, je ne les écoute pas, en fait, tout simplement, parce que je ne peux pas. Qu'est-ce que tu attaques, toi? Je crois qu'il se fait envahir, le gars. Je vais virer un truc... Je virerai ceci parce que je pense pas que j'utiliserai en combat ou quoi. Ça, je vais toujours laisser ça là, ça peut être cool. Mais oui, on a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, il y a une zone que je me suis rendu compte au montage que j'avais complètement oublié. Donc on y retourne. Ensuite, on s'occupera du boss. Et ensuite, je verrai bien. Mais ouais, je vais d'abord me dépêcher de buter ces gens-là. Voilà. Genre, manque de respect complet, n'est-ce pas? Hop, gemme de vie. Bombe incendiaire. Bah, ouais, mais putain, il m'en donne plein. Je crois que je vais en avoir quelques-unes qui doivent traîner, d'ailleurs, du coup. Bombe incendiaire, non? C'est pas ça? Si, c'est ça. Mettre ça là, plutôt. Également, oui, vous aurez remarqué que j'ai... Merde, non. J'ai ceci. Voilà, un faux objet. Il faudra retourner là où votre périple a débuté. Donc un Kalizab peut accueillir vos âmes et permettre de réinitialiser certains niveaux avant de leur distribuer les points. Mais sans l'aide d'une personne expérimentée, cet objet se contentera de siphonner vos âmes. Si vous voulez tout reprendre à zéro, il faudra retourner là où votre périple a débuté. Donc en gros, oui, c'est ce que je vous avais dit au début, hein. Il y a une des vieilles du départ qui tout simplement vous permet de réassigner vos âmes que vous avez mis dans vos niveaux, tout ça. Et ouais, bah rien, attention, trou. Attention, trou, d'accord. Pour squelette ou rat. Loué soit le soleil. Oui, oui. Loué soit ce squelette. Loué soit ce squelette. Oh. Bref, plus sérieusement, du coup, j'espère qu'il me voit pas faire ça parce que... Wop, putain. Tout va bien, restons calmes. Je ne te permets pas d'être aussi... Mais quel pute, d'où il vient? Ah oui, ok, je vois. Je vois d'où il vient. Je vois d'où il vient. Pourquoi pas? Viens, viens. Viens dans ce cas. Viens, 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 viens. Viens, viens. Voilà, voilà. Hop. Oups, 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 oups. Non, mais meurs. Et puis c'est meurt et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, il y a un moment, ça commence à bien faire. Bon. Je disais donc qu'il y a une zone que nous n'avions pas toujours... Enfin, que nous n'avons toujours pas faite, n'est-ce pas? Dont on va s'occuper incessamment sous peu. À la suite de quoi, j'améliorerai cette arme parce que j'ai décidé que je la garderai. Parce que c'est con, mais c'est une arme que j'aime bien. Wop, 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 wop. Beaucoup de gens préfèrent d'autres armes par rapport à celle-ci parce que justement, l'épée courte, si j'ai pas de conneries. Attendez, je vais essayer de la retrouver, l'épée courte. Je pense qu'on ne risque rien là. Hein. Voilà, l'épée courte. Non? Je ne sais plus, attends. C'est pas l'épée courte? Non, je pense pas que c'est l'épée courte. En tout cas, il y a une épée. Il y a une épée, ça je le sais, qui permet tout simplement de donner un coup de destock, je pense que ça s'appelle. Mais, enfin, de la pointe de l'épée, hein, comme... Oula, c'est vrai que j'avais oublié lui. Mais de la pointe de l'épée, comme on ferait avec... Allez. J'ai oublié le nom de ces trucs, les toutes petites épées des mousquetaires là. Mais ces épées là. De la pointe quoi, vraiment voilà. Alors ici j'ai pas fait cette zone-ci, alors qu'il y a 2-3 trucs à récupérer. 2-3 trucs à récupérer. Toi. Voilà, hein, je te connais. Mais oui, donc moi personnellement j'aime bien cette épée. J'ai un énorme bon feeling avec. C'est une épée qui est pas dégueulasse du tout. Et je pense, il paraît qu'il y a moyen de faire le jeu avec. Bien sûr, en l'améliorant et tout le bordel, hein, mais qu'il y a moyen, donc je dis pourquoi pas. Ça peut être cool. Voilà. Donc je crois que je vais garder cette épée. En tout cas, l'armure, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment où je vais changer, à mon avis, parce que c'est qu'une armure, voilà. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer les armures déjà? Je ne sais pas. Et quoi qu'il en soit, j'améliorerai cette épée de toute façon, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit.
Ceci est une chose que j'aurais dû faire depuis le début, qui m'aurait épargné plusieurs morts. Je suis au courant. C'est que ces gars-là, en fait, balancent des bombes. Vous voyez, ces deux gars-là, ils balancent des bombes. Et donc, nous aurait évité une ou deux morts face aux gars-là. Parce que forcément, on a un petit peu comment ça s'appelle? Oui, je sais que j'ai pas les attributs actuels, machin, tout bidule. Ah merde, j'ai pas de carreau. Ah! Pas de carreau, donc ouais, voilà, c'est la merde. Ok, c'est toujours ceux-là. Bien, bah écoute, attends. Hop. Je vais éviter de me faire exploser moi. Hop. Hop. Tiens! Il s'en fout. Tiens! Non, bon, c'est pas grave. Ok, j'ai fait le con. Quoique, non, ça va, y a pire. Quoi qu'il en soit, là, y a un... J'entends des gens. Ça m'énerve, j'entends des gens. Parce que le truc, c'est que je sais bien qu'il y a des gens ici à l'intérieur. Et que voilà, j'aimerais bien éviter de me les prendre en pleine gueule, hein. Mais ouais, alors déjà ça aussi. Voilà, ça déjà, tu vois, c'est bon. Parce que y a du monde, hein. C'est ça le problème. Merde, j'ai raté mon coup. Ok, non, 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 non. Ok, bon. Ok, 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 ok. Putain, saloperie. Non, 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 non. Ah, putain. Ok, donc j'ai pas dit mon dernier mot. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs, bonjour, messieurs. Je fais que passer. Je fais que passer, je fais que passer. Hop. Que fait l'arc contre vous? Je me pose la question. Comment ça? Bah si, voilà. Voilà. Ça pique? Donc déjà un, ok. Fait chier que j'ai pas plus de flèches en fait. Que j'en ai gaspillé contre un truc de titanite de merde. Lui, il peut tomber. Il est tombé, nickel. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc il y a moyen de descendre. Bon à savoir. Toi, je te vois là. Oh merde, non! Non! Se faire contrer par une goule quand même, c'est ridicule. Bon, là-dedans, il y a quoi? Je ne sais plus. Voilà, perce-maille, casse de fantassin. Montre le casse de fantassin quand même. Pièce de fantassin, ouais. Ah, je passe à 53. Ça veut dire des roulades plus longues, ça. Enfin, plus, hein, voilà. Ah, ça fait chier. Fait chier, fait chier. Attends. Ouais, je sais pas si ça se voit, mais normalement, mes roulades sont plus... sont moins... Attends. Y'a pas moyen de montrer. Ouais, je sais pas. Après, ça se ressent pas des masses, hein, mais ouais. Il me semble vraiment que à partir de 50% en bas à droite là, comme vous pouvez le voir, ben j'ai tout simplement des malus au niveau des roulades et tout le bordel. Et de dégâts quand je tombe aussi. Mais ouais, attends, je sais plus en fait. Je sais pas si ça se voit, mais normalement y a, oui, ça compte. Je pourrais pas garder ça, t'es fou. Ouais, donc ouais, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est un peu trop lourd. C'est un peu trop lourd pour moi. Ah oui, mais je suis con aussi, oui, voilà. Déjà, vire-moi Stark. Voilà, ça ira déjà mieux. Regardons ce que ça donne maintenant. Non, c'est tout juste, hein. Si je passe à ça... Ouh, ça passe à 49. Oh, mais la sale gueule que j'ai, quoi. Ce casque de merde. Oh putain, j'ai vraiment une casserole sur la tête, c'est n'importe quoi. Attendez. Que je compare quand même, là, ouais, on passe à 13. Si je passe à ça, je... Oh. Regardez tout ce que je perds comme bonus, quoi. Mais j'ai un casque, qui m'apporte, ouais, tout ça. 38, ouais, ouais, ça reste quand même plus intéressant, moi, comme ça, je pense. Attendant, où est l'autre, là? Il y a un autre en dessous, là. Aïe.
Voilà, parfait. Bon, donc du coup, voilà la zone. Je pense qu'on... Ouais, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a nettoyé tout. Laissez-moi réfléchir. Non. Non, non, on n'a pas tout nettoyé du tout, voyons. Réfléchis deux secondes, Wolf. Hop, on remonte. Putain, ce casque, mon dieu, c'est juste ridicule. Vraiment. Vraiment. Ce casque, c'est le casque de la ridiculité, mais de ses forces, quoi. Alors, dégage-toi, hein. J'ai pas dit mon dernier mot, voilà. Merci. Oh, il y a Hot Dame qui joue à Dota 2. Alors, j'aimerais tester un truc. J'aimerais tester un truc. Donc non, y a pas moyen. Pas comme ça du moins. Bon, ok. Du coup j'ai l'air con. Putain, ça fait bizarre. Aïe, oh putain, salopard de merde. Bon, du coup, ouais, non, je me suis renseigné un petit peu de mon côté, en fait, et il s'avère tout simplement que, oui, on ne peut pas backstab quand on a une arme à gauche. Du coup, ça fait un malus de plus à être gaucher. C'est con, mais ouais, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise, tant pis, hein. J'ai envie de retenter le coup, mais j'allais se prendre cher, en fait, c'est ça le truc. Vas-y, vas-y, on tente, rien à foutre. Wow, wow, on se calme. Ah, putain de merde. Ouais, donc je sais pas, tant pis. Tant pis. On fera sans. Hop, zblouf. C'est pas si grave après tout. Aïe, 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 non, hors de question ça, wow, on se calme. Ah, c'est pas vrai quoi. Putain. Wouah. Attendez, deux secondes, je respire. Laisse-moi respirer s'il vous plaît. Bien, nous disions donc, où êtes-vous? Vous êtes là. Non mais oh, il y a des moments, hein, faut pas déconner. Moi, je veux bien être gentil, tout ça. Mais non! S'il vous plaît. Hop, limon aromatique, voilà. Trio droit devant. Oui, non, mais ça, on l'avait vu. On les a pris par derrière, en fait. C'est ça qui est cool. Hop, et là, il doit y avoir 2-3 mondes restants. Regardez-les. Regardez-les en train de... Non, non, ils s'en foutent. Quoi? Mais il vit toujours, putain! Font chier à avoir qu'un seul PV. Je te jure, quoi. Hop, voilà. C'est bon? On se calme? Ah, le fumier! Ah oui, bah forcément, oui. Oui, donc cette zone-là, j'ai faite dans le mauvais sens, parfait. Bien. Bon à savoir. Mais ouais, c'est comme ça que t'es censé la faire normalement, mais moi je l'ai faite par derrière parce que fuck it, YOLO. Y'a le cadavre qui tombe. Le cadavre m'a fait très peur, je vais pas vous mentir. Vraiment. Mais ouais, voilà, on l'a fait. C'est ça qui est cool. Essayez saut. Ouais, mais on va pas sauter non plus. Voilà, ça suffit. I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers, like... Ouais, c'est tout? Oh. But you should take this. It allows undead to call out for help to one another, across the fissures between worlds. With luck, somebody will lend you a hand. Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior... Ouais, ok, bien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Sérieusement? What? Comme il a passé à travers mes attaques, genre rien à foutre.
Ouais, des trucs que je comprends quand même pas. Ouais, je sais pas, je sais pas. Bref. Alors, ici on va s'amuser comme des petits fous, vous allez voir. Hop. Coucou. 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 Ouais, c'est ça. Ouah, putain. S'blouf, hein. Voilà, merci. Bien. Donc on a encore 2-3 choses à faire. Tout d'abord, voilà, ça, je peux... Non, c'est toujours verrouillé, bien sûr, ça va pas changer du jour au lendemain. Mais on avait ouvert la grille ici, qu'on pouvait pas ouvrir de ce côté-ci, pour ceux qui se le demandent. Et donc on a encore toute une zone à explorer de ce côté. Ce qui est bien. Mais, voyageons. Majula, parce qu'on a des choses à faire. Et je bois un coup, parce que YOLO, j'ai soif. Voilà. Bien. Par quoi je commence? Forgeron. Forgeron, forgeron. Salut. You, stand back. This is dangerous work. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. And you are... another useless traveler. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. Yeah. Your equipment. Let me have a look. But do it quick. Bien, bien, bien. Donc, nous pouvons réparer notre truc, bien évidemment. Donc, si on pète nos objets déjà, tout simplement, si on pète nos objets, on peut tout simplement lui demander de les réparer, parce qu'en fait, il y a une jauge de durabilité. Mais ouais, je vais renforcer tout d'abord mon arme, cette arme-ci, parce que j'utilise beaucoup, j'en marque. Hop. Et voilà, c'est déjà pas mal, hein. Je peux pas la renforcer davantage maintenant, non, je sais plus. Ouais. Donc maintenant, notre épée fait plus de dégâts. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que, voyez-vous, hop, aide, attendez. Attendez, attendez, c'est pas en équipant, voilà, si, c'est ça. Parce que vous pouvez voir, hop, qu'il y a un bonus d'attribut de C. Et de D, donc en fonction, enfin si je monte ma dextérité et ma force, les deux vont influer sur les dégâts faits par cette épée, tout simplement. Est-ce que je peux l'améliorer davantage, tiens? Il me semble pas, mais ça coûte rien de tester. Non, pas l'acheter, t'es fou, renforcer. Je peux toujours pas, si, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ouais, hop. Voilà, merci. Voilà. Donc, nous avons une meilleure épée maintenant, plus 2. Parce que voilà, YOLO, j'ai pas récupéré ça. Oh. Ben, je t'en prie. Voilà. Non mais oh. Bref. Bref. On va équiper... Enfin non, on va utiliser 2-3 trucs de grandes âmes. Voilà, hop, déjà ça. C'est de la merde. Ouais, vas-y. Voilà, nickel. Ça devrait suffire pour le moment. Hop. Hey, ça va? Ouais, je sais. Niveau sup, s'il te plaît. Donc, nous allons monter l'endurance. Un petit peu, hein, légèrement. Très légèrement. Non, déconnons pas. Voyons. Tac, un petit peu de force, un petit peu... Je montre bien la dextérité aussi, mais la vie aussi, c'est relativement important. Voyons voir, ça, c'est déjà pas mal. Ouais, ça me semble déjà bien. Confirme, voilà. Fais chier, il me reste 1000 âmes en trop, comme ça. C'est pas génial. Attendez, est-ce que j'ai pas un...
Est-ce qu'il reste pas une petite âme de merde ou quoi que je peux utiliser? Je suis vraiment obligé d'utiliser ça. Ça c'est statue de marque blanche. J'ai petite statue. Ok, il y en a deux. Bien. Ouais, vas-y, fais quitte. On en utilise une dernière, allez. Voilà. Ça sera déjà moins du gaspillage. Hop. Enfin, c'est pas du gaspillage tout court en fait, hein. C'est utile. C'est utile. Hop, si je monte ça, voilà. Ouais, j'aurais bien de l'équilibre. Ouais, voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Bien. Hop. Un petit fouet. Et ouais, écoutez, continuons. Voilà, hop, pouf, pouf. Voilà, j'ai déjà une meilleure arme normalement. Ça va peut-être se sentir, je sais pas. Bad l'air, ça. Ouais, on s'en fout. Voilà, bien. Alors, continuons. Putain, ce casque, quoi, pitié. Zou. Ouais, non, on s'en fout de lui. Hop. Bon. Allez, c'est parti pour le boss. Putain, cette gueule de con. Sérieusement, quoi. Sérieusement, sérieusement. On peut tomber, hein. On va éviter de tomber, ça me semble être une bonne idée. Je sais pas pourquoi. Attention, il y a un gars là. Non! Non! Ah mais non, on n'avait pas commencé comme ça, s'il vous plaît, quoi. Ok, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va, j'ai compris. Je vais refaire un tour par le feu. Parce que ça va pas être possible. Ouvre-moi ça. Je peux pas. Bien, retour par le feu, je vais pas gaspiller une fiole d'astuce maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Il me voit pas, nickel. Putain, j'arrive pas à croire que j'ai pris aussi cher, quoi. Hop. Bien. Voilà qui est fait. Et voilà. On y retourne. Hop, voilà. Je préfère ça, là. Ce petit saut qui me fait chaque fois rire. Bien, alors, ouais, aidez-moi. Non. Non. Alors. C'est parti. Bonjour! Je fais que passer. J'espère que ça se dérange pas trop. Non, non, on commence déjà bien, on commence déjà bien. Bah oui! Bah oui! Hein? Après tout, pourquoi pas? Bah oui! Non, 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 non. On va éviter, on va éviter, on va éviter. S'il te plaît, hein? Alors le but ici, c'est d'être dans son cul, lui taper sur les pieds, et puis c'est tout. Ah putain! Sauf que quand on n'a plus d'endurance, forcément, ça n'aide pas. Hein? Bizarrement, je ne comprends pas pourquoi. Non. Hop, parfait. Oh, putain, saloperie. Tu piques, monsieur. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non.
Non, 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 non. Hors de question, ça. Ah, ah oui, monsieur s'arrache son bras, hein. Monsieur n'a que ça à foutre. Ah. Ok, nickel. On tape, on tape, on tape. C'est sa façon d'aimer, putain. Zblouf. Voilà. Bonjour. Voilà. 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 Hop, 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 hop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Non. Non, 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 non. Ah putain, chaque fois je la fais trop vite, chaque fois je la fais trop vite. Non, c'est mort. Non, non. Ah, ah, aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai plus de fiole d'estus. Oh non. Oh, j'aurais pas dû là, j'aurais pas dû. Non. Le décès sur 20. Le décès sur 20. Voilà. Ha. Hé 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 hé. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Hein? Alors je m'attendais pas à le faire des trucs hein. Pour sprint aura, oui, non, non. Roulade aura surtout. Au droit devant et donc pour lumière aura. What? What? J'ai réussi et donc bonne chance, ouais. Pour roulade aura. Voilà, ça, ça c'est bon. Essayez jambes. Le gars, tu sais, il va s'arrêter en plein milieu. Enfin, à la fin du combat, c'est oh. Hey, ça va? Ça va? Non mais attends, je vais t'aider. Je vais t'aider. plus sérieusement, c'est bon, on l'a fait. Bref. On l'a fait. What? J'ai bien su. Monsieur? D'accord. Je sais pas d'où il est tombé. Genre pas du tout. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans tous les cas. Dans tous les cas. D'abord oui, voilà. Non. Tu vois, tu meurs. Je me fais buter par un scrub, j'arrive pas à le croire. Non, j'ai dit. Voilà. Hop. Je vais vite retourner au feu, récupérer les fioles d'estus et tout ça. Je vais buter ce vieux machin de enfin qui se balade avec une titanite dans la gueule. Et ouais, hein, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Hop. La vieille là, normalement, on va partir quand on aura fini la zone, si j'ai pas de conneries. Chose qu'on n'a pas encore fait, bien évidemment. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui. Le truc là-bas. Donc le boss, c'est fait. C'est cool. On a fait le boss. Toi! Putain, merde, ah, ça l'a pris! Non! 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 Ça me dégoûte, ces trucs-là! Puisque c'est comme ça, je m'excite sur lui, là. Parce qu'il l'a mérité, je décidais, voilà, meurs. Donne une bombe incendiaire parce que... C'est un joli chiffre, ça, qu'on a... Ça fait... 1, 2, 4... Attends. Ça fait 1, 2, 8... 1, 16, 32... Ouais, fuck it, j'ai pas envie de calculer. Genre, pas du tout envie de calculer, n'est-ce pas? Quel mauvais, quel mauvais. Non. Bref, je disais donc que j'allais de toute façon arrêter ici parce qu'on a buté le géant et que c'est déjà pas mal. Donc ouais, je vais me poser là, voilà. Et ah bah elle vient de disparaître la dame. Je vais me poser là, écoutez, et ouais bah. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut les gens, c'était Wolfarion.